Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Dinoan et Anagund. Bonjour. Et on se retrouve pour un gaming live de Jak & Dexter Trilogy, sorti sur PS3 et exclusivement sur PS3. C'est pas très étonnant. Et on va s'attaquer tout de suite à la bébête qui est éditée par Sony et développée par Mass Media. C'est sorti le 21 mars 2012. Et c'est en genre compilation qui réunit des jeux d'action plateforme. Voilà. Et c'est déconseillé au moins de 12 ans, tiens. Oui, parce que l'univers devient plus mature, je pense, après aussi. Ah, c'est, oui. C'est vrai qu'autant le premier volet, était, qui est celui-ci, oui. Est très féerique, typique jeu de plateforme, en fait. Oui. Tant les deux autres, après, deviennent un peu plus sombres. Un peu plus dark. Hein. Ouais, voilà. Des univers pas fréquents, en fait, dans un jeu de plateforme, finalement. Donc voilà, peut-être que les plus jeunes auront peur des araignées. Faut pas exagérer non plus, mais bon. Ah bah écoute, déconseillons moins de 12 ans, je ne fais que lire. Très joli. Ah oui, super. Ouais. Non, c'était classe. Donc, Jak & Dexter, est-ce que ça a bien vieilli? C'est la question qu'on se pose toujours quand on s'attaque à... Eh ben, oui. À des révisions. Comme je le disais dans un autre gaming live d'un autre remake d'un jeu de plateforme, oui. La plateforme, ça vieillit bien. Donc, même en 3D, comme quoi. Ben oui, oui, oui. Donc oui, ça a bien vieilli. Et l'appareil, en plus, l'affichage passe bien. Ça, c'est le tout premier Jak & Dexter. Donc c'est, entre guillemets, le moins beau. Et franchement, je trouve que ça reste super joli. Encore une fois, bah oui, ça passe bien. C'est super coloré. Après, on dira ce qu'on veut sur les textures et encore, ça va quoi. Oui, faut pas s'attendre à un jeu PS3 comme il en sort aujourd'hui. C'est forcément le plus daté de toute façon, ouais. mais ça passe encore très bien quoi. Il y a rien qui choque. Voilà, c'est ça quoi. C'est bien. Il y a des détails, c'est lumineux, etc. Ça choque pas, ça passe très bien. Ouais. Et le gameplay, pareil. C'est précis, c'est super efficace. Alors toujours pareil, parfois des problèmes de caméra, surtout dans celui-là en fait, puisque dans les trois autres. Hop, les deux autres. Les deux autres, pardon, oui. Ouais, je suis fatigué moi. Ouais, non mais on est tôt le matin hein, pour sa défense. Il n'est que 11h20. Bah. Donc voilà, il faut... Oui mais c'est lundi. C'est le lundi, oui. Donc ça équivaut à 4h du matin. C'est ça, ouais, je vois plus rien. Donc pour resituer Jak & Dexter, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est deux petits héros, oui. Dont Dexter, là, mon excroissance sur ta tête, orange, enfin sur ton voilà, épaule, qui à l'origine n'était pas l'éclair orange comme on l'appellera plus tard, mais une créature tout à fait normale qui a été transformée par l'écho noir, qui est une source de pouvoir maléfique qu'on va chercher à détruire. Okay. Voilà. Bon, après, le scénario, voilà. Oui, bon. Ceci voilà. Dit, c'est vrai que. Faut taper les forces du mal, blablabla. Voilà. Après, l'originalité, comme je disais, c'est que. Déjà, il y a vraiment une cohérence entre les trois épisodes. C'est vraiment une longue aventure qui évolue. Donc, c'est marrant de les retrouver comme ça sur une compile, parce que du coup, il y a un tout, en fait. Ouais, voilà, il est fait pour être. Fait dans l'ordre, quoi. Ouais, le c'est 1, ça. Le 2 et le 3, c'est. Parce que ça, c'est pareil, enfin, c'est pas forcément une constante dans ce genre de jeu. Ouais. D'avoir un scénario qui évolue au fur et à mesure et qui va progresser, avoir une conclusion, etc., etc. Là, c'est le cas. Donc, c'est important à signaler, quand même. Oui, c'est important. Et puis, effectivement, il y a une évolution qui peut paraître un peu inattendue, parce qu'on parle d'un truc féerique, et puis on va arriver dans un monde, une sorte de, pas post-apocalyptique, mais un peu à la Mad Max, un peu... Enfin, il y a vraiment des inspirations très diverses dans cette progression. D'autant que, justement, en termes de gameplay, on fait pas que plateforme pure. Ça mélange un petit peu... les jeux mélangent un petit peu les gameplays. Oui, voilà. Là, encore, le premier reste relativement classique. Ouais. Mais ensuite, on va se retrouver à utiliser des véhicules, à avoir une grosse partie d'action, voilà. Il y a des courses aussi, je crois, non ? Ouais, il y a des courses. Ouais. Et en fait, déjà à partir du 2, ça se GTAise, on va dire. Puisqu'on est dans un environnement ouvert, on peut récupérer des missions un peu partout, des missions annexes, participer à des courses, comme tu dis. Ouais. En fait, comme GTA. Oui, non, mais on travaille pour des barons de la drogue, comme dans GTA. voilà quoi. Non, ouais, peut-être pas des barons de la drogue, des choses comme ça. Ok. Je sais plus du tout ce que je suis en train de faire en fait. Hein. Je suis venu, mais je me souviens plus de ce qui se passe. En tout cas, t'as l'air d'avancer. Oui, c'est tout ce que façon, je veux dire. En général, c'est le genre de jeu où on avance facilement. Hein. Oui, on n'est pas trop paumé. Oui. En fait, si. Trop haut. Non, mais si. Je sais plus. Je sais plus. Je suis venu faire un truc, mais alors. Et tu veux pas monter avec le double saut ? C'est bien embêtant là.
Ah si. Non mais c'est moi qui suis. En plus j'ai l'impression que le bout. Je me demande si j'ai pas pris un des pads qui marche pas bien aussi. Ah évidemment, c'est la faute du pad, donc on pourra entendre Rivol. Le bouton X qu'on a tout niqué à force de le matraquer comme des bourrins. Oui, exactement. Ouais. Donc ouais, bah pareil, c'est encore une bonne pioche en fait, hein, cette compile. Pour 35€, je crois. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. On n'a pas dit le prix, mais effectivement, c'est 35-36€ pour 3 jeux. Voilà, pour 3 jeux, 3 jeux qui sont quand même super longs, qui ont certains challenges en plus. Le 2 est assez dur. Ouais. Et puis encore une fois, c'est un genre qu'on voit plus beaucoup. Ouais. Voilà. On n'a pas vu. Non. Effectivement, un genre qu'on voit plus beaucoup. En tout cas, écoutez, si ça vous intéresse, vous pouvez vous référer et au test de ce jeu-là et au test des 3 Jack & Dexter qu'on a sur le site et qui explique en largeur le gameplay de chacun des jeux. En tout cas, ça reste une bonne pioche, pareil, hein. Autant pour ceux qui les connaissaient à l'époque, éventuellement. C'est ça, ou ceux qui veulent découvrir, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des beaux jeux comme ça. Et oui, exactement, ils étaient trop jeunes à l'époque, voilà. Ils n'avaient pas les moyens, voilà. Et qui veulent du rêve dans leurs yeux. Oh oui, du rêve dans leurs petits yeux. Mais du rêve dans mes yeux. Ah oui, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce GL de The Jack and Daxter, trilogie. Rien à voir avec le tueur en série, hein, Daxter, aucun rapport. Bon, on préfère préciser, on sait jamais. Tu m'en as perturbé, dis donc. Merci à tous de nous avoir suivis et on se quitte là-dessus. Ciao, ciao et ciao. Salut.